Mello est très heureuse de pouvoir participer donc à l'inauguration de ce tiers-lieu sur territoire, plus particulièrement à Île-et-Pérou. L'occasion pour nous donc de valoriser donc le textile au travers donc des différents métiers qui découlent autour. Nous sommes ici dans l'ancien réfectoire de l'école d'Île-et-Pérou qui a été réhabilité, mise à disposition du tiers-lieu de l'ensemble de l'équipe de Madame Thuyer qui aujourd'hui donc permet d'accompagner de nombreuses personnes vers ces différents métiers, que ce soit la valorisation du textile, donc les vêtements que nous utilisons plus que du tout, mais aussi à prendre la c'est du coup qu'il y a des gens qui vont pouvoir maintenant s'exprimer pour que ces métiers qui sont en souffrance et pour lesquels il y a de vrais besoins sur les territoires. Et c'est cela pour notre objectif, avec ce soutien fort qui a été porté par la ville de Capesterre et par le conseil départemental.